Bonjour YouTube, on revient sur Luminosity parce que voilà, il faut entretenir son cerveau et quoi de mieux qu'un point and click avec des énigmes pour entretenir son cerveau. Vous savez, je commence à devenir vieux, j'ai 37 ans, bientôt 42, donc évidemment que il faut que je fasse bouger tout ça quoi. Sinon je vais me retrouver. Je vais me retrouver vieux avant l'heure, dedans ma tête. Ah oui, I do remember. Déjà, bon plan. Ça fait plus de 4 secondes que j'ai joué au jeu. Et je me rappelle qu'en fait, il y a une maison. La maisonnette. Et la maisonnette tourne. C'est ça? Oui, la maisonnette tourne sur. Pivote. Tourne sur elle-même. Et il fallait que je fasse un truc. Mais je me rappelle plus ce qu'il fallait que je fasse. Vous avez vu ça? La maison, elle a tourné. Ça s'est fermé. Ça s'est fermé. Super, je reviens au tout début. Coucou Johanna, tu lurks principalement. D'accord, c'est noté. Façon, là, je peux faire que ça en fait. Là, j'ai que ça comme choix. Ensuite, là. Non, je peux pas. Je peux descendre. C'est ça qui est bien. Hop là. J'arrive ici. Là, je demande de ma fille, elle est prioritaire sur toi. Bah, je comprends bien. J'espère bien que ta fille est prioritaire sur moi. Hein. Sinon, y a un gros problème si c'est pas le cas. Parce qu'il y a un truc que je pige pas. Déjà, je sais plus ce qu'il fallait que je fasse. Hein. Je vous avoue. J'avoue tout. Je me rappelle pas. Ah là, regardez, je peux descendre par là. J'ai chopé des clous. Mais des clous, pourquoi faire? Je me rappelle plus, qu'est-ce qu'il fallait faire? Thank you.
ça je peux pas le choper. Comment je redescends? Est-ce que je peux y aller là? L'armoire elle tourne là mais là faut monter. Non mais ça sert à rien là. Bizarre, quel jeu n'aime pas quand je upload des vidéos à mon ex et que je regarde un stream. Alors ça c'est étonnant. Je trouve ça très étonnant. Pourquoi saute pas? Pourquoi veut pas sauter? Ah, je peux. Oui, je. Mais non, mais descends. Pourquoi veut... Ah oui, attendez. Ça y est. J'ai compris. Regardez. Là, je peux redescendre. Après, je peux repasser là. Voilà. C'est ça qui me manquait. Après, je peux remonter. Voilà, une petite boîte. Je sais pas si on peut en faire quelque chose, mais... Quoi ? It's too far away to grab. Comment ça ? Elle peut pas le pécho parce que c'est trop loin. Oh, attendez, je vais reparler au mec parce que je sais plus ce qu'il fallait que je fasse. Hein. Ah, c'est vraiment très drôle. C'est, ça l'est, n'est-ce pas? Attendez. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut plus lui parler. Ah, c'est vraiment le jeu, faut pas oublier. Hein. Parce que les blanches ne savent pas sauter. Là, il y a quoi là? Du coup, ce truc ici, on sait pas. Attendez. Ouais, elle ose pas. Enfin, tu peux pas choper celui-là? Masculin, c'est le titre. Mais oui, non, mais je sais. Ça croit quoi ça? Bordel! Pourquoi une emote est apparue dans ma phrase? On n'a pas eu nous. Hein. On l'a pas. Ah merde, c'est celui-là, merde. Je me suis gouré.
Je m'agouris. Attendez, qu'est-ce que je dois choper là? J'ai déjà fait ça ou pas? Coucou Yoran! Comment tu vas? Saute pas, hein. Yes. Alors. Je peux rien voir. Ça a l'air d'être un marteau. Ah, j'ai un marteau et des clous maintenant. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut que je... Je sais plus ce qu'il faut que je... Que je répare. Tu bosses un peu. Et Grumps joue à Forza. Alors je m'occupe lequel? Il a pris Forza 5 ou il est toujours sur Horizon 4? C'est sûrement ça en fait qu'il faut que je cloue, j'imagine, parce que c'est le seul truc qui bouge en fait. Vous avez vu quand je fais ça, regardez, hop. Là, paf, ça bouge. Est-ce que c'est pas là l'intérêt en fait de clouer le truc, lui clouer le bec pour plus qu'il bouge. Le dernier a priori, d'accord. Donc c'est bien le 5. Comment j'y vais ici? Pourquoi elle veut pas y aller là? C'est méga relou. Je peux pas taper sur la porte avec le... Non. Merci beaucoup Johanna. Merci beaucoup. 11e mois, bientôt un an. Trop bien. Je propose un 360 dos carpé avec atterrissage sur les pointes pour résoudre l'énigme.
Malheureusement, je ne pense pas que ce soit ça. J'ai un client qui dit par mail qu'il fait ses achats de mobilier, rien que les chaises de cuisine, 600 balles pièce. Hein? Combien? 600 balles de... Non mais... Putain, c'est mon salaire, quoi. Ah! Non, mais tant mieux, s'il y a des gens qui peuvent. Tant mieux s'ils peuvent. S'ils peuvent et que ça leur fait plaisir de se dire que... ils vont être très très bien assis sur des chaises à 600 balles. Pourquoi pas? On peut pas descendre par là, là? J'ai plus d'idées. Attendez. Alors. Je prends ça. Tu peux clouer ça, non? Tu peux pas clouer. Alors, me v'là là. J'avoue que je ne pense plus ainsi, Tonyob. Tant mieux pour le, certes, mais ça met en exergue les soucis de notre société. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. Coucou Gebel. Bonsoir, bonsoir. Tonyob et Johanna, je passe dire bonjour, je suis crevé, je vais bientôt dodo. Bonjour et bonne nuit. Et bah merci Gebel d'être passé pour faire un petit bisou. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et bah bonne nuit à toi du coup, si t'es claqué. Ouais, bah ouais, profite. Profite bien de ta nuit. Bon. Pas les trucs là? Je peux pas sauter ici? Non. Je peux pas. Ah non, ça je. Oui, évidemment, ouais. Là, je peux pas non plus. Là, je peux pas sauter. Allez, là alors. On est mieux là. En essence, c'est plutôt rare ce genre de clients. Mais au moins, ils sont adorables. Ouais. Je sais pas ce qu'il faut que je. Ah, mais attendez, je vais regarder dans mon bouquin. Suis-je bête? Bon, dans mon bouquin où tout est écrit là. Ça, je l'ai fait. Ça, c'était le OK. Ah, attendez. C'est pas ça, non, c'était pas ça. Ça marche plus ? Quoi ? Non, c'est bon. Ah, le boulin, le boulin. Le bouquin, il était cassé. Trouver. Attendez, ouais, ok.
Attendez, ouais, faut aller là. Après, du milieu, vous allez là-bas. Ça, j'ai trouvé. Les clous, j'ai trouvé. Donc après, il redescend. Paf, il va là-bas. Paf, il va là-bas. Et après, ouais, il arrive. Ça, j'ai fait. Ah voilà. Il y a bien un truc. Ouais, voilà, c'est bien l'armoire qu'il faut fixer en fait. J'avais raison. Non, je peux faire que ça. Ah ouais, ça me bloque le passage, ok. Quand c'est dans l'autre sens, c'est ça? Je sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Ah non, mais pas du tout. Ah non, mais pas du tout. C'est pas du tout ça. Je veux le bouquin, moi! Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, elle pouvait pas le lire là-bas, d'accord, ok. Non, mais c'est parfait, hein. Attendez, c'est quand la maison est retournée? Quand j'ai le. L'armoire au-dessus. L'armoire est à droite. On va tout au bout là. À quel moment elle a fixé le... Attendez. Attendez. C'est quand on est là? Mais je peux pas descendre la merde. Ou je fixe le truc quand il est là? Comment j'en monte? Mais non, non, pitié, 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 pitié. Voilà, merci. Est-ce que je peux? Là, est-ce que je peux fixer le truc? C'est donc ça. Voilà. Aïe! J'ai trouvé aide. Fallait comprendre, hein. Ça m'a pas mis là. Ok, maintenant j'ai la clé.
Maintenant que j'ai la clé, je peux... Allez, ok, d'accord, c'est bon. C'est bon. Pas évident. Quoi ? On utilise la clé ! Oh là là. Elle a pas utilisé la clé automatiquement là. Faut tout lui faire faire. Hein. Bon. C'est quoi ce bruit? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, je te parie qu'il y a quelqu'un, ouais. J'ai essayé ça. La clé dans le... Alors la clé dans le truc orange. En diagonale. De... La maison... Oh là là. Eh bah des bisous Johanna, profite bien. Profite bien. Attendez, alors la clé... C'est maintenant ce panel Rockford tous tested trusted moteur 1 moteur 2. Oh là, oh, mais il y en a encore plus que la première fois. Attendez, 1 2 3 4 5. Pourquoi il y a des ça faut que je trouve un numéro 1 ça. Il n'y a pas plus gros que 4 là. Je fasse quoi? J'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse là. Ça en est bien. Là, non, faut que je trouve un numéro 3. Non, faut que je trouve un numéro 4. Les numéros, ils servent à rien, en fait. Si ? Non, trop loin. Ah, trop grand ça. Merde. J'en ai plus des 1 en plus. Attendez, puis le numéro 4 là, ça me sert à rien, c'est trop loin. Là, si je suis là, non, ça ne marche pas. Par contre, ça marche. Thank you.
Ok. Il faut, qu'ils soient... Non mais je suis en train de me demander... Je sais pas. Je sais pas exactement ce qu'il faut que je fasse là. Hein. Je vous avoue, je suis un peu perdu là. 1, 2, 3 là. Non, il faudrait du 4 en fait. Si j'enlève ça et que je mets du 4 ici, est-ce que ça passe? Oui. Ah mais il me reste encore les petits pignons de 1 là. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ah, j'ai fait quelque chose. C'est quoi tout ce bruit? Ne me dis pas que quelqu'un a encore fait tout marcher. C'est complètement parti en cacahuète. Il y a un moment où je peux y aller, voilà. Merde. Merde. Alors. Ok. Non, je vais vraiment pas sortir. C'est qui les débiles qui ont oublié de prévoir les poignées d'un côté de porte vers... Attends. Hein? C'est qui les débiles qui ont oublié de prévoir des poignées d'un côté de jolie porte verrière en métal forgé? Je sais pas. Je sais pas qui c'est. Attendez, ça m'a donné quoi? La clé, ok. Métallier, l'archi, moi et l'archi d'intérieur. Bah bravo hein. Waouh. Chaque symbole... I guess per exemple... Chaque symbole doit correspondre à un... Un nombre. Attendez. Waouh. Ah là, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas pigé, quoi? A priori, oui. Est-ce que c'est le premier? A priori, non. Qu'est-ce que... Y'a pas un 8?
Non. Attendez, là le 2. Mais là ça marque le 1 là et le 3. Attendez. Déjà je pense que là il y a une entour les poules là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, le symbole là, ouais, il y a 8 a priori là. Et pourquoi tu me demandais s'il n'y avait pas un 8? Là j'ai 6. Parce que le triangle plus pentagone ça fait 8 aussi. Le triangle. Le triangle plus pentagone. Ah là! 5, 6, 7, 8. Ah mais là il y a plus que 8, il y a 10. Il y a les deux. Il y a les trucs en plus là. 4 divisé par 2, ça fait 2. Triangle plus pentagone, ouais, ça fait 8. Alors là, le 3, a priori, c'est lui. Non? Est-ce qu'on dit que le carré, ça va avec le carré? Je sais pas. Attendez. Là. 3 demi-lunes moins une lune. Ça fait une demi-lune. On y croit, hein. Ah, ça s'allume quand c'est bon. Ah, ça s'allume quand c'est bon, regardez. Ah, ça permet de voir si je fais des conneries ou pas. Bien, 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 c'est parfait. Et donc tu disais le 8. Le 8 là. Ça fait pas 8. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça fait pas 8 non plus. Là, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on considère que ça c'est... Ah mais c'est le merdier là. Must be 1, 2. Oui oui non mais ouais. Non c'est pas ça. Carré avec le tri. Attendez, me dites pas tout. Avec le carré, oui. Bah non. Ou alors ce carré là? Non plus. Attendez, le soleil, moins 3. Oh là là. Oh là là. Oh. Un triangle plus un... Ah là ça... Attendez, ça fait un triangle plus 3 points. Un triangle plus 3 points. Est-ce que ce serait pas celui-là? Non. On va finir par tous les mettre au pif. Hein. Attendez, là j'ai 3 points. Voilà. Là, ok. Ah là, il y a un point, regardez. Que du coup ça serait pas le 1.
Non. Le 1. Ah, c'est un rien en fait là. Là, il y a du rien. Non. Coucou Twinsen. Ça fait penser à deux choses. D'accord. Eh bien, parfait. À multiplier. Attendez, là j'ai des trois points multipliés par un triangle. Pas du tout. Non mais non, non. Ça ne va pas. Point multiplié par un triangle, je ne sais pas. Un vieux standard de téléphone ou un vieux synthétiseur analogique avec des petits câbles. Ça c'est un, enfin oui non mais c'est oui c'est des trucs d'opératrice, oui, de standard téléphonique, quoi. Oui, mais on est d'accord là-dessus. Attendez, j'ai 6, 10. Non. C'est pas vrai, j'essaye pas au pif. Arrêtez, hein. Attendez, 4 divisé par 2. Ça fait 2. Ou alors c'est lui. Non. Et là, plein de triangles, moins 3... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire leur connerie là. Comment on sait que c'est bien branché? Il y a les lumières qui s'allument. Tu vois, par exemple, là, il y a la petite lumière qui s'allumait. Parce qu'entre là et là, c'est ok. À mes souhaits, merci. Ah mais regardez, ça c'est la moitié du truc en fait là. En plus là... Non ouais, c'est plus ça. Donc ça plus la... Ouais, mais ça veut... Je sais pas en fait. Ça fait un carré? Non, ça fait pas un carré du tout. Attendez, si, est-ce que... Oh là, je sais pas. Ah putain, merde. C'est pas un carré du tout.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah là, il y a 8, ouais, effectivement, là, il y a 8 côtés. Est-ce que c'était ça le deal, en fait? Là, il y a 8 traits, et enfin, il y a 8 côtés. Et là, il y a 8 côtés aussi. Je vais arrêter, ça m'énerve de pas tester. Ouais. Ah, tu peux faire le jeu, hein, si tu veux. Dix. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Non, c'est pas ça. Ça, on l'a testé, hein. Ouais, on l'a testé. Hein. Trois fois 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça fait 10. J'ai pas... Bon, je l'ai pas, hein. Bah, même en ayant vu l'image de celui, j'ai rien compris. Mais j'ai... Ouais, voilà. Là, il y en a l'air d'avoir beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, si j'avais compté ici, c'était bon, quoi. J'aurais pu le trouver. Là, ça fait 0, ça, regardez. Là, ça fait 0. Et là, il n'y a rien. Voilà. 2001 moins 2001, 0. Et là, c'est 0, la tête à Toto. Est-ce que ici, on n'aurait pas le 1 par hasard? Mais est-ce que le 1, il n'est pas en haut, au final? Vu qu'ils nous disent... Non. C'est pas ça. 1, 2, 3, 4... Est-ce que ça, c'est pas 6 non plus? Je vois pas la logique là-dedans. Dans quoi? Dans le 0? Regarde, là, c'est une demi-lune moins une demi-lune. Donc, il reste rien. Donc 0. Et là, sur ce panneau-là, on a que dalle. Qui, par définition, est 0. Mais non, mais 3. Attendez, 1 en haut, plus 1. Ah mais non, mais c'est plus 1 moins 3. Et 2. Mais arrête! Non. Moins 2. 2 en bas. 1 en haut. 1. 1, 2, 3, 6. Attendez. En haut et 3 en bas. En même temps, j'ai plus beaucoup de... Là, je pourrais à la limite commencer à tout tester. Hein. Là, je l'ai pas. Hein. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 moins 3, 4, ok. Là, on avait 7 moins 3. Après, il y a 1. Après 1, il y a... Et avant 3, il y a... Eh, mais j'ai testé, ça. J'ai testé le 2. Voilà, le 2, je l'ai testé. Hein. Euh...
Ah ouais, mais deux. Holy shit. Nice. Et là donc, en dessous de 2. En dessous de 2, c'est 1. Ah. Alors là, pourquoi 6 Attention avec le backseat, hein. Avec le backseat et les spoils, c'est marqué partout, hein. Là, c'est marqué partout. Là, vous êtes dans les tags, vous avez dans je sais plus où, mais Twinsen. Tout est rétabli. Comme ça, on a tous le soleil. Avant, c'est maison bougée, mais voilà, maintenant, j'arrive pas à lire. Voilà, c'était super quand ça marchait bien. Ok, bah cool, mais maintenant, je fais quoi? Faut que j'aille où? Ah bah là. Non, non, mais c'est bon. C'était indiqué. Fallait que je vais. Oh là là, c'était planqué ça. Hein. Ça nous emmène où? Oh là! Oh là! Ok. Je pense que c'est une carte. La clé. Workshake. Okay. Oh, les osio. Les osio. Je sais comment tu aimais ce genre de choses. It will make a change from end. Ah, j'espère que ça changera un petit peu des parties d'échecs sans fin. Tout mon amour, Mary. Bonjour Joshua, entre ton mot de passe. Quoi? Oh non! Oh non! First. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors, faut déjà trouver le mot de passe. Ça a l'air d'être de la vieille technologie, mais ça fonctionne toujours.
Pas même un petit... un petit coussin pour la personne qui travaille ici. Attendez. Ça ressemble à la série de jeux Professeur Layton. Ça ressemble à un point and click quoi. Look out for your other great title, Twitching the Professional Way. Je trouve le mot de passe. Alors B 100. On sait que c'est Bird. 100 00 10. Attendez. 100. Chiant. 0010. Ensuite, le I. Ah mais il y a majuscule et minuscule. Oh là là, mais 110. Je sais pas, hein, je mets Bird au pif. 1-1-1-0-0-1-0. Et un D. 1-1-0. Et ensuite, 0-1. On va voir si ça marche déjà. Bird. Ça va être quoi? Comment je peux trouver son mot de passe à lui là? Je pense que c'est une carte. Work check. Mais bah non, Marie. Est-ce que ce serait pas Marie? Regardez. Ah, c'est peut-être Marie. Vous savez, souvent on donne le nom de l'être aimé ou du chien. Pourquoi tu veux pas tester Cavalerie, hein, ce serait rigolo. Je te dis, enfin, le jeu en soi est peut-être cool, quoi. Mais honnêtement, les graphismes... Oh, c'est dur, hein. Marie. Oh, Marie. 1-0-0. Le A 1-1-0. Ah ça j'aime bien ça. Le R. Donnez-moi un R. 1-1-1-0-0-1-0. Et le Y. 1-1-1.
Un livre sur les oiseaux, ça me fait penser à la saison 3 de Prison Break avec le personnage de Whistler. C'est drôle, c'est tout à fait avec les vrais... Bah ouais, mais je sais bien. Et j'aime pas ça. Pourquoi le... Ah ! Quoi ? Je suis gouré ? Je suis gouré. Eh bien, on recommence. Alors, le M... le M 1001101 ensuite le A c'est 110 et 1 à la fin 110 et 1 à la fin le R 111001 1 0 0 1 et le Y 1 1 1 1 0 0 1. Oui, j'ai trouvé. C'était le nom de sa meuf. On dirait une carte de pointage. Ah bah non, c'est une carte perforée. C'est pas une carte de pointage, c'est une carte perforée, c'est comme ça. Avant les disques durs, c'est comme ça que ça marchait, hein, l'ordinateur. Hein, c'était des cartes perforées. Et donc, fallait vraiment faire ça, en fait. Fallait vraiment mettre le code binaire sur une carte avec des trous. Et après, c'était inséré dans la machine et la machine exécutait le truc, quoi. Mais c'est comme, vraiment comme ça que les programmes fonctionnaient, quoi. Chess.exe, Manual Override ou Self-Destruct. Comment dire Manual Override. Donc le tout. Le 2 c'est quoi? 011001. 011001. J'espère que je ne me suis pas trompé. 2. Success. Comme les orques de barbarie, exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait? Console seems to be switch off, hein, donc ça c'est éteint. Ah, là c'est... Ah ouais, c'est bien. Ah maintenant ça va être des cassettes. Entrer les data. Information transfer. Spin contact. Encore un... Donc ça marche toujours ce truc là.
Ah oui, d'accord. Error tape needs four readers. Je vous avoue, j'ai rien compris. Datarack. Datarack et pas Datarack là. Ok. Tac, tac, tac. Ah oui, il y a un numéro. Mais non, numéro 12. J'ai pas pigé, hein. J'ai pas trop compris ce qui se passe là. Ça c'est comme ça qu'il... Non bah non, c'est pas comme ça qu'il est de base. Numéro 35, numéro 12. Oh là là, je comprends rien. Je comprends rien. Admettons que je mette celle-là en premier. Ah, faut que ça passe devant. Ça y est, je viens de comprendre. Donc par exemple, si je mets ça... Pas bien. Pas bien non plus là. C'est plutôt celui-là qui conviendrait en fait. Ça passe devant les trucs. C'est quel le premier? C'est ça le problème. C'est lequel est le premier, lequel est le deuxième, lequel est le dernier quoi. Ça, c'est sûrement sur la fin en fait. Là, hop, comme ça, paf, on va passer devant lui.
va essayer, on va prendre un tout petit. Oh, c'était bien là. Non mais qu'est-ce que tu me fais chier? Voilà. Ça me paraît pas trop mal là pour le début. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt le glisser là, ouais. Ah mais pour arriver à le faire monter ici, c'est compliqué. Hein. Là, ça marche pas comme ça. Mais... Merci. Arrête. On peut pas le faire croiser. Hein. Je pourrais faire ça. Ah ouais, si j'en mets un là. Hop. Regardez. Ça. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Merde, presque. Presque, celui-là est trop grand. Si j'inverse les deux là. Trouvé. Et la troisième turbine est en cours de bougeage. Ça a pris un peu plus de temps, mais j'ai réussi à trouver. A priori, il me manque un truc. Ah, il y a beaucoup de connecteurs. Peut-être que quelqu'un... Ah, mais attendez. Voilà. Je me savais que j'en aurais l'utilité. C'est ce truc. Il y a toujours du film là-dedans.
Là, là, là. Attendez. Hop. Ça passe là. Si je le fais aller là. Hop, là. Là. Là, ça va là. Là, ça remonte. Attendez. Là. Là, pour le A, a priori, c'est bon. Passe là, là. Tac. Ça remonte. Bim, ça va ici. Pour le B. Bam, 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 on descend. Pas ouf, hein. On va là. Ah si, ça pourrait. Là, 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 là. On descend, là, on remonte. Là, on arrive là. Là, on arrive là, ça descend ici. Zberm, zberm. Ouais. Ça marche. Please read these steps carefully. 1. Ne pas paniquer pas. 2. Respirer. 3. Continuer à ne pas paniquer. Voilà. Vous en faites pas. Ce sont des procédures qui ont été testées et validées. Tout ce que vous avez fait pour done for the local community providing shield. Bah merde, merde, merde. Réfléchissez, le technologie avancée, tout ça. Vous pouvez maintenant tout pomper. Oh là là, regardez, c'est du pétrole. Drilling. Don't worry, ne vous en faites pas à propos de votre famille. Voilà, ils vont être ravis que vous commenciez un job ici. Vous vous en souciez pas de la ville, de la ville de que vous... Ah merde, non, non. Essayez de rester safe. Do not try to stay... Ah non, do not try to... N'essayez pas de rester ici, ça pourrait être très dangereux. Les prochaines étapes. Ramassez vos objets. Sortez par la première sortie. Et... Le code 49463. 49463. Sérieux. Allez, on y va. 49463. Ça va tellement vite dans le jeu. Pour tout lire, c'est chiant. 4, 9, 4, 6, 3. Est-ce qu'on va retrouver notre papy ? Elle sert pas de ses jambes quand il y a une échelle, quoi. Pourquoi c'est tout pixelisé ici? Genre, c'est pas des maquettes là? Regardez, il est là. Lumi. Grand papy. Mon dieu. Tu as fait beaucoup de route.
J'ai pu te voir d'ici. Je suis si impressionné. La cité revient à la vie. Mais pourquoi t'es monté aussi haut? I was there before you are... Alors, comme je disais avant que tu m'interrompes, voilà. Ah non, avant qu'on soit interrompu, j'ai une histoire pour toi. C'est vrai qu'au tout début du jeu, il voulait nous raconter une petite histoire. Et finalement, les gens sont venus. Ah, c'est la fin! Et du coup, on n'a pas l'histoire. Pourquoi le jeu rame comme ça, par contre? Pourquoi le jeu rame comme ça? Et ben voilà, on aura fait Luminosity. Ah, je suis un peu... Je reste sur ma fin quand même, là. Hein. La fin est un peu brusque, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Signé The Handy Man. Genre il a vraiment pas de nom quoi. Non, mais le jeu a pas ramé, c'est à la fin, c'est le générique qui rame, c'est quand même ouf. Bah mais c'était cool, vraiment le jeu trop mignon. Le jeu était vraiment trop mignon et c'était chouette comme point and click. Le boulot qu'ils ont fait quand même sur les maquettes est quand même assez dingue. Hein. Le jeu est vraiment cool pour ça quoi. Ah oui donc voilà c'est l'histoire. Ah donc ils avaient plein de ressources. Et à un moment, ils se retrouvent sans ressources, parce qu'ils exploitaient du pétrole. Et ils se retrouvent à plus avoir de pétrole. Donc bah comment ils vont faire sans le pétrole pour exister? C'est donc ça l'histoire. Et donc il a tout trouvé dans le Handy Man Wall. Ah ça y est, on va voir l'histoire de fin. Ah donc ils l'ont appelé en astreinte. En fait il fait de l'astreinte. Il a pas du tout été enlevé en fait. C'était vite on a besoin de toi, c'est l'astreinte quoi. Ils l'ont balancé là. Ah c'est rigolo, on voit le chemin qu'on a fait. Ah ça c'est rigolo ça. Ça c'est chouette.
Ça me fait penser dans le thème, enfin dans le thème. Elle est bien avec sa petite casquette. Ça me fait penser un peu non, dans le style à un jeu qu'on avait fait aussi, A Short Hike, qui était vraiment tout choupi et vraiment je me retrouve. Alors Short Hike qui n'est pas un point and click, hein, qui est un petit jeu d'aventure limite à un walking simulator quoi. Made in Creative UK. Oh là là, c'est les Anglais. Les Anglais font des jeux. Le saviez-vous? Et ben voilà. Ouais, il y a Continue. Ah non, je peux refaire les chapitres quand je veux. Ok. Et ben voilà, c'était Luminosity. Je vais vous faire des... Je vais quand même remontrer mon visage, mon doux visage. Faire des bisous YouTube. J'espère que vous avez apprécié ce petit point and click. Franchement, il est vraiment mignon, il est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas à le faire. Je le recommande. Des bisous. Bye.